6-9 la matinale, matin sport. Sport. Maman du Bol, bonjour. Bonjour. À chaque fois, elle place la barre un peu plus haut. Et de l'or pour Kayla Nemo. Vous avez raison de le dire comme ça, de prendre ce lancement. Mais dans le même temps, pour aller dans le même sens que vous, je dirais que cette année est une année importante. Et elle confirme d'étape en étape son talent et sa suprématie sur les barres asymétriques. Puisqu'elle remporte une nouvelle fois pour cette nouvelle étape de Coupe du Monde à Bakou, qui se déroulait en Azerbaïdjan, après Cottbus en Allemagne, elle remporte la médaille d'or âgée de 17 ans. C'est une chance réelle, réelle de médaille d'or pour l'Algérie aux Jeux Olympiques, en espérant que tout se passe très bien jusqu'au mois de juillet prochain avec le début des Jeux Olympiques. Jeux Olympiques qui se dérouleront, je le rappelle encore une fois, en France. Âgée de 17 ans, elle a terminé hier avec 15 433 points, soit la même performance réalisée lors de la deuxième étape à Cottbus. Kayla Nemo s'est également hissée en finale de la poutre avec un score de 14,533 et du sol avec une note de 1363. C'est la troisième étape. Je rappelle que la Coupe du Monde compte 4 étapes, 250 gymnastes, dont 10 champions du monde, représentant 69 nations. Nemo prépare, je le rappelle, les prochains championnats d'Afrique qui auront lieu fin avril, ainsi que les JO 2024. On parle du foot également avec les 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Et ce qu'on peut dire, la hiérarchie a été respectée. Sauf sur un seul match. Oui. C'était le Wydad de Tlemcen qui a disparu des écrans radars, qui évolue dans le troisième palier, qui s'est qualifié au pénalty aux dépens de la JS Saoura. Et là, quand vous regardez, quand je vous dis Tlemcen et JS Saoura en Coupe d'Algérie, si vous avez une bonne mémoire, les Tlemceniens, la Coupe d'Algérie, s'est inscrit dans leur ADN. Ils ont déjà remporté la Coupe, ils ont déjà disputé une finale et ça s'est confirmé une nouvelle fois. En revanche, la JS Saoura n'a pas d'histoire en Coupe d'Algérie et ça a été confirmé hier une nouvelle fois, sorti dès les 16e de finale. Ça s'est joué au tir au but, 0-0 à l'issue des 120 minutes de jeu. Autre qualifié, autre équipe de Ligue 1 a quitté la compétition, c'est l'Entente de Sétif, battue à domicile au pénalty. Un but partout à l'issue des 120 minutes de jeu, la séance de pénalty qui a été longue, et bien a vu le CSC prendre le meilleur. Ben Aknoun s'est qualifié aux dépens de l'Asmo Doran. Le Mouloudia d'Alger, après une très grosse erreur de Meshaïria, l'arbitre de la rencontre qui siffle un pénalty pour une faute qui a eu lieu en dehors de la surface de réparation, et bien le Mouloudia d'Alger, malgré cet handicap, a réussi à revenir au score et à s'imposer de fort belle manière, 4-1. Azazga s'est imposé au pénalty devant Ben Badis, c'est un club d'interrégion. Un but partout à l'issue des 120 minutes de jeu, c'est les pénaltys qui ont départagé les deux formations et Azazga était bien meilleur à cet exercice. L'US Chaouia, sorti par Bouga, toujours après prolongation, un but partout à l'issue des temps réglementaires. Arkbou, retenez bien le nom de cette équipe. Arkbou jouera en Ligue 1 la saison prochaine et je peux vous dire qu'elle va faire concurrence au meilleur parce que c'est vraiment un club professionnel, organisé comme un club professionnel. Leur objectif, ce n'est pas la Coupe d'Algérie, bien qu'ils soient qualifiés une nouvelle fois pour les 8e de finale. Arkbou a éliminé Meshélia, s'imposant 2-0. Et puis on retiendra que Hydra a été sorti de la compétition battu par Djigel, le cap de Batna a été éliminé par l'USM Annaba également au tir au but 0-0 à l'issue des 120 minutes de jeu. Il y a eu la première partie de ces 16e de finale, c'était vendredi, qualification de l'espérance de Mostaganem, du Nahd de Khanchla, du Mouloudia Doran, également de Biskra au dépens du détenteur du trophée, l'AS Sochlev et de l'USMA d'Alger qui s'est baladé devant Rouisset sur le score de 8-0. Et je rappellerai également la qualification du Chef Abriadi de Belouizdad hier qui s'est imposé devant l'AS Roub sur le score de 2-1, le finaliste de la dernière édition. Chez les féminines, on a joué qualification de Defak Rolizan aux dépens de Belouizdad. Ça s'est joué au pénalty de 8 partout chez les féminines. Le CS Constantine a battu l'équipe de Sétif 6-0. Arkbou s'est imposé devant Blida. Tenez-vous bien, c'est pas un match de hand ou quoi que ce soit. 15-1. Et puis Tissim Sidet a été battu par Evasion Bejaïa 3-2. Des Jeux africains et des nouvelles médailles. 10 nouvelles médailles pour l'Algérie, dont 3 en or pour la journée d'hier. Tout d'abord, Nesrine Houili en cyclisme a décroché l'or sur la course en ligne pour le compte de la première journée de cette compétition chez les dames. Les messieurs entreront en compétition aujourd'hui. 2 autres médailles en lutte gréco-romaine, sans surprise, Bachir Sid Azara pour la catégorie des 87 kg et Oukali Abdelkrim pour la catégorie des 77 kg.
Quant à Ryu Ishaq, lui, il a terminé deuxième en pochant l'argent pour les comptes chez les 67 kg, deux médailles de bronze pour Farghat Abdelkarim dans les 60 kg et Halwi Hamza chez les 130 kg. Médaille d'argent en natation pour Fares Bouzidoun sur le 200 mètres papillon et un peu plus tard dans la soirée, médaille de bronze au relais mixte sur le 4x100 mètres nage libre. Et puis la sélection nationale messieurs de karaté a remporté hier soir la médaille d'argent dans une spécialité, le kumité par équipe et en échec. Une autre médaille d'argent a été remportée au jeu d'échecs en double mix grâce à Abdallah, à Adlen Arab et Limda Nasser. Un mot de judo avec la troisième et dernière journée du championnat d'Algérie qui s'est déroulée dans la ville de Tipaza. C'est le Moudia d'Alger qui a décroché deux nouvelles médailles d'or qui l'ont permis de devancer les autres clubs. Ce grâce à Dounia Bongabouz dans la catégorie des moins de 70 kg et Souad Belkhal chez les moins de 78 kg ajouté à la médaille d'or décrochée par Nedine Nesserine, ce qui nous donne une moisson de trois médailles d'or pour le Moudia d'Alger. Du handball avec notre équipe nationale. Messieurs, qui prépare le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques qui débutera le 14 de ce mois en Allemagne jusqu'au 17, tenez-vous bien. Bon, on va prendre part à ce tournoi, mais on ne se qualifiera pas, je vous le dis dès maintenant. L'Algérie, finaliste du championnat d'Afrique, aura dans son groupe l'Allemagne 5e au championnat du monde, la Croatie 9e au championnat du monde et l'Autriche 8e. Les quatre équipes se disputeront les deux premières places qualificatives au JO. En d'autres termes, il faudrait un miracle pour pouvoir se qualifier. Un mot sur le basketball. Dalaria s'est imposé en double prolongation devant le Ruiba sur le score de 78 à 73 en match de mise à jour de la 18e journée du championnat d'Algérie de basketball. Grâce à ce succès, le TR Dalaria remonte au 3e rang au classement aux côtés de son adversaire du jour et de l'USM Lida et du Moudia d'Alger, vainqueur de l'USMA d'Alger 64 à 45. La 20e journée de la Super Division est programmée vendredi et samedi prochain. Ça sera en soirée puisqu'on sera en plein Ramadan. Voilà encore une fois, Verstappen qui rafle la mise, qui chauffe la gomme en Arabie Saoudite. Il est intouchable, il sera encore... Derrière Perez et Leclerc. Voilà. Il sera encore en pole position. En d'autres termes, il est bien parti pour remporter le deuxième Grand Prix de la saison après celui remporté à Bahreïn. Voilà, en parlant de Formule 1 et de soft power, c'est peut-être l'occasion de parler du Bahreïn qui est aujourd'hui le gros fabricant, le premier de casques pour les coureurs de Formule 1, voilà, puisque l'entreprise italienne Racing Force qui fabrique les casques, eh bien, elle est passée voilà, au Bahreïn et elle exporte partout dans le monde, 80 pays. Merci donc. Ça, c'est soft power, merci pour cette information. Et voilà, à travers le sport. Grâce au sport et à la Formule 1, je rappelle le Grand Prix du Qatar, Grand Prix du Bahreïn, Grand Prix d'Arabie Saoudite. Par les football, la Première Ligue, avec la victoire de Manchester United devant Everton. Mais le match qui était attendu hier, il ne devait pas se rater. Je peux vous dire, ça s'est joué sur les dernières minutes. C'est les Gunners qui ont battu Brentford 2-1. Mais ça a été très compliqué pour les Gunners qui prennent la première place du groupe. En attendant bien évidemment, le match aujourd'hui à 16h45, mettant aux prises Liverpool à Manchester City, le champion d'Angleterre en titre. Et ce qui est intéressant dans cette confrontation, il y aura beaucoup d'émotions, puisque je le rappelle, on est en train de se diriger vers la fin d'un cycle du côté de Liverpool, avec Klopp qui terminera la saison. Il lui reste, s'il va très loin dans toutes les compétitions, il lui reste exactement 20 matchs. Et je peux vous dire que pour le moment, c'est les deux meilleurs entraîneurs. Guardiola, qui a complètement révolutionné sur les 15 dernières années le foot, et ce n'est pas que de la possession de balle, parce que certains veulent résumer ça de la possession de balle, non. C'est sur attaque placée, ça travaille à beaucoup d'intelligence, c'est un beaucoup de travail tactique également, et il permet aux joueurs de progresser. Je pourrais vous raconter mille et une anecdotes rapportées par les joueurs concernant le management de Guardiola et de l'autre également. C'est un entraîneur capable de se renouveler, capable de tenir tête au meilleur, et puis être capable de dire j'arrête à un moment donné. Vous avez compris, Klopp, il était en fin de cycle la saison dernière, son équipe était en fin de cycle, eh bien, il a renouvelé une énergie nouvelle. On voit aujourd'hui que Liverpool vient également mêlé à la course au titre, engagé également en Europa League. Ça sera le match du jour. Ça jouera en plus dans un stade mythique qui s'appelle Anfield Road. Hier, on retiendra que les Wolverhampton s'est imposé devant Fulham, 2-1. L'Atlético prépare a préparé de bien mauvaise manière son match qui aura lieu mercredi contre l'Inter. L'Atlético a été battu par une équipe mal classée, Cadix, 2-0. Ils affrontent l'Inter qui reste sur 13 victoires de suite et qui s'est imposé 1-0 à Bologne. À retenir également, au cours de la journée d'hier, la belle victoire du Bayern de Munich, 8-1 devant Mainz, mais pour le Bayern c'est terminé, ça sera Leverkusen pour la première fois de son histoire qui sera sacré champion
D'Allemagne, pour voir si vous suivez. Merci. Et on enchaîne aujourd'hui également avec, en Espagne, le Real qui sera opposé au Celta Vigo, une équipe du Real qui occupe la première place du groupe. J'ai parlé d'Angleterre, mais j'avais oublié de donner un match également qui concerne les places qualificatives pour la Champions League européenne. C'est le match mettant en prise Aston Villa à Tottenham. Ça, j'avais oublié de le signaler. On enchaîne avec la Serie A. La Juve qui sera opposée à Atlanta et la Roma d'Awar qui se déplacera à qui jouera contre la Fiorentina. En Bundesliga, le Bayer Leverkusen, le leader, sera opposé à Wolfsburg. Aujourd'hui, je vous donne tout le programme de la journée, sans oublier, on jouera en France avec le Paris Saint-Germain qui reste intouchable, qui domine la compétition face au Stade de Reims. Et puis, pour terminer, on suivra le Stade Rennais avec Amine Gouiri, qui lui est en train de revenir à son meilleur niveau. Et il face à Lille, ça va être des retrouvailles, puisque du côté de Lille, il y a le retour dans le groupe de Nabil Bentaleb. Et on terminera avec Olympique de Marseille contre Nantes. Voilà, vous avez une photographie complète de l'ensemble des compétitions au niveau européen, parce que je sais que nos auditeurs sont tous férus de football, ils adorent, et en attendant également cette semaine, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la Champions League européenne, avec notamment un match mettant en prise Napoli à Barcelone, ça sera le match retour, un but partout au match aller, ça c'est un super match. Ça sera bien Ramadan aussi. Ah, on sera en plein Ramadan. Ça va être pour meubler les soirées du Ramadan. Et d'ailleurs, je l'annonce dès maintenant, puisque vous avez parlé du Ramadan, il faut savoir que les matchs du championnat de Ligue 1, pour la majorité, là où il y a de l'éclairage, ça sera les matchs se joueront à 22h. En revanche, là où il n'y a pas d'éclairage, les matchs se joueront à 15h. Bien qu'il y ait une proposition, et ça c'est bien de le noter, du bureau de la Ligue professionnelle de football qui a demandé au club dont les stades ne bénéficient pas d'éclairage, eh bien de délocaliser les matchs pour que les supporters puissent les suivre le soir. Et ça nous donne un super spectacle pour le football. C'est très bien. Et les auditeurs pourront suivre les matchs sur antenne, sur notre antenne. Ça sera le vendredi, notamment vendredi soir, il y aura 5 matchs, et notamment un derby entre le CRB et l'USMA d'Alger. Merci, Mamad Djibour.